Révélation divine de la sainteté et du jugement de Dieu. Michael Thomas Sambo. Deuxième partie. Encore une fois, un vent impétueux est venu souffler sur lui et l'a projeté dans la géhenne. Il a atterri en enfer et ce fut sa fin. Jésus m'a dit qu'il était déterminé à ne pas compromettre la condition d'entrée au paradis, laquelle est la justice, la vérité et la sainteté. Apocalypse 21, 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Ézéchiel 36, 25, 28. 25, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. 26, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. 27. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Psaume 51, 8, 9, 12. 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. 9. Purifie, moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ma première visite en enfer avec Jésus. Jésus m'a dit ensuite que nous devrions aller en enfer. En un clin d'œil, nous sommes arrivés en enfer avec deux anges qui nous accompagnaient. Je ne peux pas décrire de façon très nette l'enfer et les souffrances de ses occupants. Les mots à utiliser pour décrire la nature de l'enfer et le degré des tourments et des souffrances de ses victimes ne sont pas disponibles pour l'homme sur la terre. De plus, mon vocabulaire est si limité que l'effort que je dois fournir pour décrire l'enfer est semblable à l'effort que je fournirais pour compter la quantité des grains de sable dans la mer. J'ai le même problème lorsqu'il s'agit de décrire la beauté du paradis. L'horreur de l'enfer est immense. Ce que j'ai vu en enfer m'a fait peur. J'ai perdu mes forces et je suis tombé. J'ai eu une plus grande crainte de Dieu. J'ai entendu les cris de douleur des damnés. J'ai entendu certains, plaidant dans leur tourment, « Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. » Ce fut leur prière continuelle. Hébreux 10, 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. La vie en enfer est d'une grande pitié et d'une grande horreur. J'ai vu des gens pleurer et grincer des dents. Matthieu 25, 30. Et le serviteur inutile, jeté-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les personnes paraissaient plus âgées en raison des grands tourments et des souffrances dans lesquelles elles étaient. Je voyais des gens qui se baignaient dans le feu de l'enfer. Lorsque l'enfer rugissait et tremblait, il engloutissait ceux qui se trouvaient à la surface, et projetait vers la surface ceux qui étaient au fond de l'abîme. Il y a des tourments et des souffrances en enfer. J'ai vu des gens dans les flammes de feu. J'ai vu des enfants, des hommes, des femmes, des personnes instruites, éduquées, des riches, des pauvres, etc. Ils pleuraient et se repentaient. J'ai entendu les cris de ceux qui étaient dans les profondeurs de l'abîme. J'ai entendu les cris des enfants, des jeunes et les vieillards. J'ai vu la façon dont ceux qui sont dans les tourments respirent. Ils haletaient comme ceux qui sont sur le point de mourir. Certains d'entre eux, en raison de leurs grands cris, leur langue était sortie de leur bouche comme des chiens. Chez d'autres, leurs globes oculaires étaient presque sortis de leurs orbites et pendaient. Ceux qui étaient dans les tourments respiraient comme si c'était leur dernier souffle. Mais cela reste à jamais leur état. Puisqu'il n'y a pas d'air en enfer, ce qu'ils respirent est la flamme. Le souvenir des privilèges passés, du fait qu'ils auraient dû accepter le Sauveur Jésus, Christ qu'ils ont ignoré ou rejeté sur terre, s'ajoute à leurs tourments et à leurs douleurs. Je les ai vus dans une grande agonie, grinçant des dents. Ils étaient si nombreux qu'ils étaient serrés les uns contre les autres. Chaque fois que l'enfer tremble et rugit, la position de ses occupants change. La vie en enfer est une agonie. Les occupants sont sans répit. L'enfer est dans l'obscurité totale. Marc 9, 43, 48. 43, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, vaut mieux pour toi entrer manchot dans la vie. 44, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point.
45 Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le, mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie. 46 Que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. 47 Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. 48 Où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Tourmenté par les anges déchus en enfer. J'ai vu les anges déchus avec des fouets, qui frappaient et tourmentaient les victimes de l'enfer. Ils avaient le regard cruel. On pouvait lire la méchanceté sur leur visage. En dehors de leurs paroles et de leurs œuvres de tourment, j'ai aussi vu de grands vers qui traversaient les corps des victimes. Les flammes brûlantes ne faisaient aucun mal à ces vers. Pendant tout ce temps, Jésus pleurait. Il dit, « J'ai créé ces personnes pour ma gloire, mais elles escroupissent maintenant dans les tourments éternels de l'enfer. » Une femme est morte sur terre et a atterri en enfer. Pendant que nous y étions, une femme est morte sur la terre et a atterri en enfer. L'un des anges déchus a pris un grand poignard, l'a soulevé et l'a enfoncé dans le dos de cette femme. Elle a poussé un grand cri de douleur et s'est mise à confesser ses péchés. J'étais une calomniatrice, une menteuse, une rapporteuse, etc. Il a hurlé, tais-toi. Quand tu étais dans le monde, tu as eu le privilège d'accepter cet homme vertueux dans ta vie, pointant le doigt dans notre direction, mais tu l'as rejeté. Si j'avais eu ce même privilège, j'aurais changé mon propre destin. Mais mon destin est scellé et je suis condamné pour l'éternité. C'est pourquoi je suis ici. J'ai posé à Jésus, Christ, une seule question, tu aimes l'homme d'un amour éternel, mais pourquoi as-tu créé l'enfer comme cela? Il répondit, l'enfer a été créé uniquement pour le diable et ses anges. Mais l'homme s'est mis dans la condition du diable, de sorte qu'il doit souffrir la même condamnation. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Matthieu 25, 41. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez, vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » En enfer, les gens prient avec beaucoup de ferveur. Les croyants sur la terre ne sont pas en mesure de prier avec une telle ferveur. Jésus a dit, « J'ai vécu des expériences amères sur la terre à cause de l'amour que j'ai pour l'homme. Malgré tout l'amour que j'ai montré à l'homme, il m'a rejeté, c'est pourquoi il se retrouve ainsi en enfer. » Ce que j'ai vu avec mes deux yeux en enfer m'a brisé le cœur et j'ai pleuré. Je ne peux pas décrire l'enfer en tant qu'homme mortel. Si quelqu'un y arrive, il le dira mieux. Après cela, Jésus m'a ramené au paradis. Jésus m'a confié une mission. Au paradis, il m'a dit. Je t'envoie afin que tu retournes dans le monde pour leur proclamer mon amour éternel. Dis à l'homme que je l'aime d'un amour éternel. Dis, lui de se repentir et de se tourner vers moi. Prêche Christ crucifié. Prêche la vérité, la justice et la sainteté, parce que c'est la seule voie qui peut amener l'homme au paradis. Prêche la sainteté comme si personne ne l'avait jamais prêché dans le monde. Marc 16, 15, 16. 15 Et il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez l'évangile à toute créature. C'est celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Matthieu 28, 18, 20. 18, et Jésus vint, et leur parla, disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19, allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20, enseignez, leur a observé tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je ne voulais pas retourner sur la terre, mais il m'a conduit à la porte et a dit. Mon fils, je vais te montrer pourquoi tu dois retourner sur la terre. Il a touché mon oreille droite et j'ai entendu le pasteur de ma région, le coordonnateur du groupe des jeunes et d'autres dirigeants qui priaient et plaidaient pour mon retour à la vie. Il m'a laissé avec les deux anges à la belle porte et a dit. Mon fils, je te reverrai. Il me fit signe et me dit. Au revoir. Les deux anges m'ont ramené et m'ont montré le chemin vers le monde.
Quand ils revenaient, j'ai essayé de les maintenir en tenant leurs vêtements, parce que je ne voulais pas retourner sur la terre. J'avais vu le roi dans la beauté de sa sainteté et j'avais également vu la séduction et la vanité de ce monde actuel. Mes frères, ce monde est un endroit de vanité. Ecclésiaste 1, 02. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. 1 Timothée 6, 6, 19. 6. C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une bonne confession en présence d'un grand nombre de témoins. 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. 18. Recommande, leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. 19. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Quand je suis revenu, mes deux yeux étaient ouverts mais je ne voyais rien, je ne voyais même pas les gens qui étaient autour de moi. Cette première expérience divine a duré 4 heures, soit de 13 heures à 17 heures. Chapitre 2, mon deuxième voyage au paradis. À peine une heure après que je sois revenu sur la terre, les deux anges sont revenus vers moi et m'ont dit, « Frère Michael, le Seigneur t'appelle, monte. » Puis, tout excité, j'ai crié, « Vous êtes revenus me chercher. » Je suis tombé sur le sol. Je ne me rappelle plus de mon état de santé à ce moment-là. Ensuite, je me suis aperçu que j'avais un corps semblable au leur et nous avons quitté ce lieu pour le paradis. Nous sommes aussitôt arrivés à la belle porte. Jésus se tenait là. Lorsqu'il m'a vu, il m'a souri, a tenu ma main droite et a dit « Mon fils, sois la bienvenue. Je n'ai pas fini de te montrer ce que je veux te montrer. » Puis nous sommes tous entrés dans le paradis. Nous sommes allés près d'une demeure en particulier. Comme nous étions près de cette demeure, il m'a regardé et a dit « Les hommes disent, les gens du monde disent, comment les poissons peuvent-ils nager dans la rivière et ne pas boire de l'eau ? C'est la pensée des hommes, leur imagination. » Mon sang peut sauver du péché toute personne qui vient à moi et la soutenir dans la droiture et la sainteté. Mon sang peut la libérer de la puissance du péché. Va et dis, leur, mon standard n'a pas changé. Mon standard sur la sainteté n'a pas changé. Je suis le Seigneur, je ne change pas. Je reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Apocalypse 5, 5. Et de la part de Jésus, Christ, le témoin fidèle, le premier, né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Dans Hébreux 09, 14. Combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel s'est offert lui, même sans tache à Dieu, purifiera, il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tout, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'Église d'aujourd'hui est un lieu de désir charnel. Jésus a continué. L'Église est devenue un lieu de plaisir où toutes sortes de méchancetés sont pratiquées. Les femmes séduisent les hommes par leur habillement immoral. Je ne peux pas supporter de voir cette méchanceté dans l'Église. Les ministres de l'Évangile ne sont pas des restes. L'Église est devenue un lieu de séduction. Les gens partent de l'Église pour l'enfer. Ézéchiel 8, 5, 18. 5. Il me dit, Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée.
12 Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures. Car ils disent, L'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. 18 Moi aussi, j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Jésus a continué. Beaucoup de croyants vivent comme s'ils vont passer le reste de leur vie sur la terre. Ils négligent les âmes perdues. La prédication de la parole n'est pas seulement le battement de mon cœur, mais elle me fait souffrir de douleur. Beaucoup de choses ont occupé l'esprit du pèlerin chrétien. Il a oublié qu'il est un étranger dans ce monde. Ézéchiel 34, 1, 6. 1. Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots. Deux fils de l'homme prophétisent contre les pasteurs d'Israël. Prophétise, et dit, leur, ô pasteur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient, ils pas paître le troupeau. 3. Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtu avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. 4. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. 5. Elles se sont dispersées, parce qu'elles n'avaient point de pasteur, et elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, et elles se sont dispersées. 6. Mon troupeau était rang sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées, mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays, nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Couronne pour les fidèles. J'ai été emmené dans une maison particulière où j'ai vu de nombreuses couronnes. Ce château était très grand et plein de couronnes. Elles étaient de très grande taille, de petite taille et de taille moyenne. Jésus a dit. Ces couronnes sont pour les fidèles et les vainqueurs qui surmontent le monde et le diable. Bienheureux les vainqueurs, car ils seront assis à la droite de mon Père. Apocalypse 2, 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelqu'un de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de la vie. 2 Timothée 4, 7, 8. 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour, là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'ai vu mon défunt ami au paradis. Jésus dit encore. Je vais te montrer que l'on peut me servir dans la justice et la sainteté tous les jours de sa vie au milieu de cette génération corrompue et perverse sur la terre. Je vais te montrer ton ami qui est mort dans le monde. Cet ami à moi est mort à Jalingo dans l'état de Taraba au Nigeria, le 7 novembre 2001. Il était un ami proche en effet. Nous étions copains à l'école secondaire. Nous sommes allés à l'école polytechnique même, bien qu'il avait une année d'avance sur moi. Là, dans l'école polytechnique, nous avons étudié ensemble, nous mangeions ensemble, chantions dans la chorale ensemble et même dormions sur le même lit. Nous avions tout en commun. Alors Jésus m'a emmené à un très bel hôtel. Comme si mon ami avait eu la connaissance de notre arrivée, il est sorti de la maison, l'air très glorieux. Il portait une grosse couronne sur sa tête et avait un grand sourire. Quand il m'a vu, il m'a dit tout excité, « Michael, ô frère, sois la bienvenue. » Nous nous sommes serrés les mains. Jésus l'a pointé du doigt et a dit. Regarde, le, vous avez travaillé dans ma vigne ensemble, vous avez tout en commun. S'il l'a fait, tu peux aussi le faire. C'est pour te montrer qu'un jeune homme comme toi peut me servir de façon acceptable dans cette génération corrompue, dans la sainteté et la justice tous les jours de sa vie. S'il a pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Luc 1, 73, 75. 73, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. 74, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. 75, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice. Je suis certain que ce château appartient à mon ami. J'ai vu d'innombrables demeures préparées pour les saints, mais les saints sur la terre ne sont pas encore préparés.
Lorsque mon ami m'a dit « Ô frère Michael, sois la bienvenue », Jésus lui a dit que je vais retourner dans le monde. J'ai crié « Ô mon sauveur ». Je n'étais pas prêt à retourner dans le monde. Savoir que le paradis était mon partage me procurait une joie incomparable. Comment saurais-je, dis-je, que je serais capable de revenir au paradis si je retourne sur la terre? Mais Jésus dit fermement, tu vas retourner sur la terre. Puis mon ami me salua et dit, nous nous reverrons prochainement. J'ai pleuré, car je ne voulais pas partir avec lui. Jésus m'éloigna de cet endroit. Jean 14, 1, 3. 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Dedans la maison de mon Père il y a plusieurs demeures, si elle n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place pour vous. 3. Et si je vais préparer une place pour vous, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les messages à certaines personnes sur la terre. Mon deuxième voyage au paradis est chargé de beaucoup de messages personnels pour des gens. On m'a montré quelques couronnes portant les noms de certaines personnes. Je sais que certaines d'entre elles sont encore vivantes sur la terre. Jésus m'a demandé, connais-tu la sœur? Il me posait la question au sujet d'une sœur en particulier que je connais. J'ai répondu, oui, Seigneur. Il a dit, cette sœur est ma servante. Tout à coup, la sœur en question a apparu devant nous dans le ciel, vêtue de blanc, d'une beauté glorieuse et incomparable. Elle portait une couronne glorieuse sur la tête, avec un sourire sur son visage. Encore une fois, il demanda « Connais-tu la femme du pasteur ?» Il parlait de l'épouse de l'un de nos pasteurs. J'ai répondu « Oui, mon Seigneur. » Il a dit « Elle est ma servante. » Tout à coup, cette sœur apparut dans le ciel dans un ensemble blanc, brillant de mille feux et glorieusement belle, avec une couronne sur sa tête et un grand sourire. Le ciel est un endroit d'une beauté parfaite. Tout est extrêmement beau. Si un saint céleste apparaît sur terre, sa beauté sera, delà de l'imagination de l'esprit des hommes. La beauté cosmétique de la terre comparée à cette beauté est comme quelqu'un ayant des haillons. Philippiens 3, 20, 21. 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus, Christ. 21. Qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Jésus m'a aussi demandé si je connaissais certains pasteurs et ministres de notre ministère. Il a mentionné leur nom et j'ai répondu, « Oui, mon Seigneur. » Il a dit, « Ce sont mes serviteurs. » Il m'a donné des messages pour certains membres de ma famille que j'ai transmis. Jésus a dit, « Je me tiendrai à tes côtés. » Au paradis, j'ai visité beaucoup d'endroits. Je ne peux pas parler de certaines choses que j'ai vues. Il y a certaines choses au sujet desquelles j'ai posé des questions, mais l'ange m'a fait taire. On m'a dit de ne pas parler de certaines choses que j'ai vues, mais de témoigner aux hommes des choses qui m'ont été données. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles cette loi. 1 Corinthiens 2, 12, 13. 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, Saint, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Merci à Dieu qui m'a aidé à témoigner des choses qu'il m'a données. Au paradis, Jésus m'a assuré qu'il me soutiendrait. Il a dit, « Je t'envoie donc à l'extrémité de la terre pour proclamer à l'homme mon amour et le mettre en garde contre le feu de l'enfer. » Il a cité Hébreux 1, 09. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité, c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Jésus a dit, ce verset se réfère à moi, mais si un ministre se soumet lui, même à cette écriture, je vais le soutenir. Il a dit, comme j'aime la droiture et l'iniquité, je t'envoie. Et l'iniquité jusqu'à ta dernière goutte de sang. N'encourage jamais l'iniquité. Prends cet engagement personnel, je serai avec vous. Psaume 97, 10, 11. 10. Vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal.
Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. 11. La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Hébreux 12, 04. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. 2 Chroniques 16, 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. La deuxième visite en enfer. Jésus dit encore. Je te ramène en enfer pour que tu vois l'agonie de l'enfer. Nous sommes arrivés à la porte et j'ai vu des gens marcher sur le chemin large de l'enfer. Une multitude de personnes paradaient vers l'enfer. En enfer, j'ai entendu les gémissements des damnés. C'était la deuxième fois que j'allais en enfer. J'ai entendu des gens crier et confesser les péchés qu'ils ont refusé d'avouer sur terre. Beaucoup de pasteurs sont en enfer. De nombreux ministres de l'Évangile sont en enfer. Les athées et les diverses catégories de personnes sont en enfer. Aucune langue ne peut raconter l'horreur et les souffrances de l'enfer. Psaume 09, 18. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Ésaïe 5, 14, 16. 14, c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure, alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. 15, les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hautains seront abaissés. 16, l'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Jésus a dit. Je les ai créés et aimés d'un amour éternel, mais ils m'ont haï, c'est pourquoi je vais les détruire avec ma ruine éternelle. Va dire à l'homme que s'il veut venir au paradis, moi, Jésus, je lui donnerai toutes les grâces dont il a besoin pour venir au paradis. Mais si quelqu'un veut aller en enfer, Satan va immédiatement lui donner tout le soutien dont il a besoin pour y être. Deutéronome 30, 15, 20. 15 voix, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et la mal. 16 car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. 17 Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir. 18 Je vous déclare aujourd'hui que vous péririez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. 19 Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. 20 Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. J'ai vu un membre de notre église locale en enfer. J'ai vu un frère en enfer. Il a été un membre de notre église. Ce frère était très engagé et plein de zèle. Cependant, il est mort n'ayant pas confessé son péché et s'est trouvé en enfer. Quand je l'ai vu, je ne croyais pas qu'il était le seul. J'ai tapoté Jésus et lui ai demandé, « Mon Seigneur, est-ce le frère de telle église ?» Il a répondu, « Oui. » Ce frère s'est mis à parler, « J'ai commis la fornication et je l'ai caché. La mort est venue et m'a emporté. Si un frère d'un tel zèle et engagement pourrait encore aller en enfer, nous devons craindre Dieu tous les jours. » Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La vue de la souffrance m'a convaincu de prêcher la sainteté. Jésus, les deux anges et moi étions ensemble. Il dirigea sa main vers l'enfer et dit. L'homme ne peut pas comprendre la nature des tourments de l'enfer, cependant, va la lui dire. Dit, lui que même si toutes les souffrances de la terre étaient rassemblées pour être supportées par un seul homme, elles ne seraient toujours pas comparées à ce que l'homme subira pendant 24 heures en enfer. Mais l'homme ne peut comprendre, va aussi le lui dire. Jésus continua.
Tu passeras par beaucoup de souffrances à cause de ce message de sainteté et de justice. En raison de la pollution qui est dans le monde, beaucoup nient la puissance de la piété et d'une vie juste. Cependant, va, je t'ai envoyé, je serai à tes côtés. Jean 15, 18, 21. 18, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, si l'on gardait ma parole, ils garderont aussi la vôtre. 21 Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Vie de négligence des croyants. Après cela, Jésus dit lamentablement. Les croyants vivent dans cette vie comme s'ils sont du monde. Mais ils ne sont pas du monde. Ils sont censés vivre séparés du monde. Il poursuivit. Je bénis mon peuple, mais il abuse de mes bénédictions. Jésus a cité Jérémie 22, 21. Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité, tu disais, je n'écouterai pas. C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse, tu n'as pas écouté ma voix. Jésus a dit. Les gens ne se préoccupent guère des pauvres et des nécessiteux. Très malheureusement, le pèlerin a oublié qu'il est un étranger dans ce monde. L'Église ne fait rien pour les âmes des hommes qui meurent dans le monde. L'Église doit se réveiller de son sommeil et sauver les hommes de l'enfer. Il a cité 2 Pierre 3, 8, 14. 8 Mais, bien aimés, ne soyez pas ignorants de cette seule chose qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. 9 Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 10 Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, en ce jour, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. 11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. 12 Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments sont embrasés se fondront. 13 Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une terre nouvelle, où la justice habitera. 14 C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Jésus a catégoriquement dit. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous les hommes, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il a dit. Allez dire à l'homme que mon standard n'a pas changé. Le niveau de la parole de Dieu n'a pas changé. Je n'ai pas changé mon standard pour toutes les générations, pour tous les âges, pour tous les gens. Psaume 119, 89. Pour toujours, ô Éternel, ta parole est dans les cieux. Jésus a dit. Tu vas retourner dans le monde. Il m'a amené à la porte et a dit. Je te reverrai. Puis, les deux anges m'ont amené sur le chemin. Comme nous allions, j'ai vu au loin un endroit ressemblant à un globe. C'était sombre mais je voyais des lumières de part et d'autre, certaines lumières étaient éclatantes, d'autres brillaient faiblement et il avait qui s'éteignait presque. J'ai demandé à l'ange, quel est cet endroit que je vois au loin? Il répondit, c'est le monde sale auquel les hommes s'accrochent et pour lequel ils gaspillent les jours de leur vie. Les lumières que tu vois ci et là représentent la lumière de Christ sur les chrétiens. J'ai vu la vanité du monde et son mensonge sur l'homme. Ecclésiaste 12, 08. Vanité des vanités, dit le prédicateur, tout est vanité. Matthieu 16, 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? C'est le récit de ma deuxième visite au paradis et en enfer. Je ne peux pas dire toutes les choses que j'ai vues et entendues. Nous sommes allés à plusieurs endroits dans le ciel. Ce deuxième voyage a duré environ 9 heures. À ce moment, mon corps était couché sans vie dans le camp de retraite. Ceci s'est passé dans le camp de retraite de Pâques des jeunes de Deeper Life en 2003. Quand je suis revenu à moi le dimanche matin, j'étais entouré de responsables de l'église et des pasteurs.
Il m'avait retiré du camp de jeunes pour me placer dans un endroit isolé dans le camp des adultes. Chapitre 3, mon troisième voyage au paradis. Ce que je vais relater aujourd'hui est mon troisième voyage au paradis. Deux anges apparurent pour m'emmener au paradis. La retraite a pris fin le dimanche 27 avril 2003. Je suis allé au domicile du coordonnateur du groupe des jeunes qui est près de Takum Army Barracks. Le lundi matin, il m'a dit de me préparer à enseigner aux jeunes l'étude biblique dans le district de Barrack Army. Je lui ai dit que je ne pourrais pas. C'était parce que je me sentais très faible. J'avais besoin de temps pour récupérer de l'énergie. Il a donné l'assignation à mon frère aîné. Dans la soirée de ce jour, j'ai assisté à l'étude biblique des jeunes. Lorsque nous sommes retournés à la maison, je sentais la présence de l'Esprit Saint dans la salle. J'ai dit à mon frère aîné ce que je ressentais. Je lui ai dit que j'envisageais mon départ au paradis de nouveau et que si je mourais cette fois, je ne pourrais plus revenir. Alors j'ai dit, si je meurs, donne ces chemises à mes cousins. Il était environ 18h ce lundi, un jour après la retraite. Je parlais encore à mon frère aîné lorsque les deux anges ont apparu dans la chambre. Quand je les ai vus, j'ai crié dans l'excitation, « Vous êtes venus pour moi encore une fois, vous êtes les bienvenus. » Merci Jésus. Les anges dirent, « Le Seigneur t'appelle à venir très haut. » Puis, comme d'habitude, j'ai voyagé avec eux au paradis. Un croyant était mort dans l'immoralité et se dirigeait vers la porte du paradis. Quand nous sommes arrivés à la porte, j'ai rencontré Jésus, Christ. Il a dit, « Frère Michael, tu es de nouveau la bienvenue. » Il sourit. Les anges qui se tenaient à la belle porte m'ont accueilli. Nous étions tous silencieux à cette porte. J'ai vu le visage joyeux de Jésus se changer soudainement et devenir triste. Je me demandais ce qui pourrait en être la cause. J'en ai compris la raison par l'événement qui a immédiatement suivi. Quand nous y étions à la porte, un croyant est mort sur la terre et arrivait. Il était décédé ce même lundi autour de 18h, peu de temps après que j'ai été enlevé au paradis. Comme il se dirigeait vers la porte, il pleurait en suppliant, « Voudrais-tu avoir miséricorde et me pardonner de nouveau ?» Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Jésus m'a raconté ce qui était arrivé à cet homme. Il était un fervent croyant dont le nom était inscrit dans le livre de vie. Ce lundi matin, il avait dit adieu à sa famille et était parti en voyage. Mais malheureusement, Satan avait préparé une dame séduisante contre lui. Cette dame l'a séduit dans le véhicule de transport public dans lequel il se trouvait. Quand ils sont arrivés à destination, il a emmené la dame dans un hôtel et a passé la nuit avec elle. Pendant qu'il commettait le péché, le diable a réussi à le tuer. À la porte, il a pleuré et a plaidé auprès de Jésus pour obtenir la miséricorde et le pardon. Jésus a dit, « Quand cette dame t'a séduit pour prendre ton héritage, je t'ai donné la grâce suffisante pour surmonter cette tentation. Mon esprit n'a cessé de te mettre en garde, fils ne commets pas ce mal. Mais tu t'es laissé emporter par ta convoitise et tu as cédé à la tentation et as commis ce péché. Cette ville est trop sacrée pour te permettre d'y entrer. Elle est trop sainte pour t'accueillir. Tu as jeté ton permis d'entrer au paradis. » Ézéchiel 18, 24, 26. 24, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il ? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché, à cause de cela, il mourra. 25 Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt voix qui ne sont pas droites? 26 Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Hébreux 2, 18. Car, ayant été tenté lui, même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Le livre du souvenir s'ouvrit seul. Le dossier de cet homme montrait que l'adultère fut le seul péché qui a effacé son nom du livre de vie. Son nom était dans le livre de vie au matin de ce jour, mais le soir il était déjà effacé.
Exode 32, 33. Et l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Quelle grosse perte pour Jésus, Christ qui l'a sauvé par l'effusion de son sang. Quelle grosse perte pour l'Église où cet homme adorait. Quelle grosse perte pour la famille de cet homme. Quelle grosse perte pour son âme. Jésus a dit, ici, il n'y a pas de miséricorde. La miséricorde est obtenue uniquement sur la terre. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. La pire chose qui est arrivée à cet homme est que son âme est perdue à jamais. La troisième visite en enfer. Jésus m'a emmené en enfer pour que je puisse voir et entendre certaines personnes qui finissent leur vie de christianisme dans la géhenne. Un membre d'une église pentecôtiste en enfer qui a promis de ne pas pardonner à son pasteur. Quand nous sommes arrivés en enfer, une jeune dame m'a vu de loin et a crié, « Oh, es-tu venu m'aider à sortir de cet endroit ?» Je ne pouvais pas répondre à sa question. Puis elle a commencé à me raconter l'histoire de sa vie. Elle dit, « J'ai été membre d'une église pentecôtiste. Mon pasteur m'a dit que porter un pantalon, pour une dame, n'était pas un péché contre Dieu. Il a également dit que le fait d'appliquer le défrisant ou friser les cheveux, utiliser des huiles décapantes, des rouges à lèvres et des faux cheveux n'était pas considéré pas comme un péché contre Dieu. Mais le jour même de mon arrivée ici, j'ai découvert que mon pasteur m'avait trompé. Puis, je n'ai jamais pardonné à cet homme. Maintenant il est trop tard pour moi. Puis, je n'ai jamais quitté cet endroit. » Alors qu'elle parlait, l'enfer rugit et elle a été engloutie par les vagues et les marées d'hommes. Je ne l'ai plus revue. Elle dit que ces choses dans lesquelles elle s'était imprégnée l'empêchaient de servir Dieu véritablement et l'ont condamnée en enfer. Genèse 35, 1, 5, Jérémie 4, 30, Proverbes 0, 7, 10, Romains 1, 21, 26, 1 Pierre 3, 0, 3, 5. Deutéronome 22, 0, 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Ésaïe 3, 16, 24. 16. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. 17. Le Seigneur rendra chauve le sommeil de la tête des filles de Sion, l'Éternel découvrira leur nudité. 18. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants. 19. Les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles. 20. Les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes. 21. Les bagues et les anneaux du nez. 22. Les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières. 23. Les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. 24. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection, au lieu de ceinture, une corde, au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve, au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante, au lieu de beauté. 1 Timothée 2, 09, 10. 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. 10. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. J'ai vu une dame que je connaissais sur la terre en enfer. À cet instant, une autre dame s'est approchée. Je connaissais cette dame ici sur la terre avant qu'elle ne meure. Quand elle m'a vu, elle m'a reconnu parfaitement. Elle cria vers moi, « Frère Michael, peux-tu m'aider ?» Je ne l'ai pas reconnue à cause des souffrances de l'enfer. Son visage paraissait plus vieilli. J'ai dit, « Ma sœur, tu as fini en enfer. C'est donc là que tu as terminé votre christianisme. » Elle dit, « Tu m'as prévenu quand j'ai rétrogradé, mais je ne t'ai pas écouté et maintenant je suis ici. » Cette dame mourut en 2001. Elle était une vraie croyante. Mais plus tard, elle a rétrogradé et est entrée dans le monde. Je l'ai prévenue et lui ai dit de revenir au Seigneur, mais elle ne m'a pas écouté. Elle n'est pas revenue au Seigneur jusqu'à sa mort. Quand elle a fini de parler, l'enfer a rugi et elle a été couverte par les vagues de feu et les marées d'hommes. Ézéchiel 3, 17, 21. 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël.
Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. 18 Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. 19 Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. 20 Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et il mourra parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. 21 Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. Les souffrances et les horreurs de l'enfer. Personne ne peut expliquer les souffrances et les horreurs de l'enfer. Il y a beaucoup de choses que les gens vivent en enfer. Ils sont beaucoup tourmentés par la forte chaleur et les flammes brûlantes du feu de l'enfer. En dehors de l'ardeur des flammes de l'enfer, il y a les anges déchus qui sont cruels et méchants, et les vers ne meurent pas. Tout ceci s'ajoute au tourment de ceux qui brûlent constamment dans le feu. Ils sont également tourmentés par leurs souvenirs. Si ces gens ont le privilège de revenir sur la terre, ils expliqueront mieux les tourments et les horreurs de l'enfer. Jusqu'à présent, j'ai toujours dans mon esprit les images des souffrances et des horreurs que j'ai vues en enfer. Un homme qui se trouvait en enfer depuis des milliers d'années se lamentait. Immédiatement après que cette dame fut engloutie par les flammes de l'enfer, un vieil homme a émergé de la flamme. Quand il m'a vu debout avec Jésus, il a dit, Hachem, mon fils, tu es un homme privilégié. J'ai été dans ce tourment des milliers d'années et maintenant je sais que je ne peux pas quitter cet endroit. Je suis condamné pour l'éternité. C'est ce que le vieil homme m'a dit, en vertu des milliers d'années qu'il avait passées. En enfer, il avait appris à connaître que la condamnation de Dieu est éternelle. Dieu n'a pas changé sa parole, malgré sa plaidoirie continue. Une femme dans les tourments de l'enfer croyait rêver. J'ai vu une autre femme en enfer qui pleurait amèrement. Elle avait vécu une vie de péché sur la terre et ne s'était jamais souciée de donner sa vie à Jésus, Christ. Elle venait de mourir et avait été jetée dans la géhenne. Quand elle passait à travers les tourments de la géhenne, elle croyait rêver. En proie aux tourments, elle demanda, « Suis-je maintenant en enfer ?»« Je rêve. » Un ange déchu lui a dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter, très bientôt, et elle sortira de son rêve. Cette femme s'est aussitôt rendue compte qu'elle avait été jetée dans la géhenne pour subir des tourments éternels. Elle a avoué qu'elle avait vécu dans toutes sortes de péchés et ne s'était jamais souciée de donner sa vie à Jésus, Christ. Elle a dit qu'elle avait été une calomniatrice et a vécu dans des ragots et la haine, et que maintenant elle avait été condamnée en enfer. Romains 1, 29-32 29. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. 30. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence. 31. De loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. 32 Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Un ancien de l'Église a confessé ses péchés en enfer. J'ai également vu un homme religieux dans les tourments de l'enfer. Selon lui, il était un ancien dans une Église quand il était dans le monde. Il dit, « Je n'étais pas né de nouveau et ne voulais pas naître de nouveau. » Je détestais ceux qui étaient nés de nouveau et ne voulais pas avoir affaire avec eux. Lorsque mes enfants sont nés de nouveau, je les ai persécutés et frustrés jusqu'à ce qu'ils ont tout rétrogradé. Il s'est rendu compte que la religion sans Christ mène à l'enfer. Il dit, « Je ne veux pas que mes enfants viennent me rejoindre dans les tourments du feu éternel. » Il était seulement un chrétien par la religion et ne possédait pas le salut véritable par la foi en Christ. Être chrétien par la religion seule ne sauve pas l'âme du feu de l'enfer. Jean 3, 3. Jésus répondit et lui dit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Romains 10, 1, 3. 1. Frères,
Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. 2. Je leur rends le témoignage qu'ils ont le zèle pour Dieu, mais sans intelligence. 3. Ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Matthieu 18, 06. Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer. Un athée en enfer a confessé sa folie. J'ai vu un athée dans les tourments de l'enfer. Dans sa vie, il ne croyait pas que Dieu existe. Il dit, « Les choses que j'ai dites et écrites contre l'existence de Dieu étaient toutes fausses. Le premier jour que je suis arrivé en enfer, j'ai compris que Dieu est réel et existe. Mais il est trop tard pour que je croie en Dieu maintenant. Je suis tombé dans les mains de ce Dieu et je sais que je ne peux pas y échapper. » Psaume 53, 2. 2. L'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. » Un jeune homme en enfer confessa ses péchés immoraux. J'ai entendu un jeune homme parler à distance. Il avouait, « J'ai commis la fornication avec de nombreuses filles et je leur ai fait commettre l'avortement. J'ai vu une dame près de lui. Ils semblaient s'accuser mutuellement. » Proverbe 5, 3, 8. 3. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. 4. Mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. 5. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Si sa fin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. C'était maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des arolesses de ma bouche. 8. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Un ouvrier dans l'église a confessé les péchés qu'il a couverts sur la terre. J'ai aussi vu celui qui avait été un croyant dans les tourments de l'enfer. Il m'a dit qu'il était un ouvrier chrétien dans une église sur la terre. Il a dit qu'il était comme Élie qui a couvert les péchés de ses enfants et a refusé de les avouer ou de les exposer. Il a cité le verset 13 du chapitre 20, 8 de Proverbes. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. 1 Samuel 2, 12,17. 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. 1 Samuel 3, 12-13. 12. En ce jour j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, je commencerai et j'achèverai. 13. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. J'ai vu l'un de mes parents en enfer. J'ai aussi vu un membre de ma famille en enfer. Il était un homme religieux. Quand il était sur terre, il a travaillé pour le Seigneur, mais sans avoir une communion avec Jésus-Christ. Je l'ai vu subir les tourments de l'enfer. Quand il m'a vu, il a crié, « Oh, oh, point !» Il ne dit rien de plus. Il pleurait beaucoup. Les supplications d'un petit enfant dans les tourments de l'enfer m'ont brisé le cœur. La scène la plus déchirante que j'ai vue en enfer a été le tourment d'un petit enfant de moins de 10 ans dans les flammes de l'enfer. Cet enfant a crié au Sauveur, « Aie pitié de moi ! Aie pitié de moi ! Aie pitié de moi !» Sa souffrance et ses supplications ont brisé mon cœur. J'ai éclaté en sanglots. Jésus pleurait aussi. J'ai perdu toute la force que j'avais en enfer. J'ai plaidé auprès de Jésus pour ce garçon. Jésus répondit. Je suis Dieu. Ma norme n'a pas changé. Ma norme sur la sainteté n'a pas changé. Crois à ma parole, mon fils. Je ne peux pas compromettre mes principes à cause de ce petit enfant. 1 Pierre 1, 17. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Cependant, j'ai supplié Jésus une deuxième fois de retirer cet enfant de l'enfer. J'ai senti qu'il m'écoutait à cause de son amour passionné pour moi. Jésus a affirmé : Je ne peux pas compromettre mon standard pour ce petit enfant.
Mon niveau n'a pas changé pour toute génération, toute race, et pour tout peuple. Je me suis couché et j'ai pleuré à cause des souffrances et des supplications de cet enfant. J'ai persévéré dans mes supplications pour que le Seigneur retire cet enfant. J'ai demandé pour la troisième fois au Seigneur d'enlever ce garçon du feu de l'enfer. À ce moment, Jésus a froncé les sourcils. Ses yeux devinrent rouges comme du feu, puis il dit: C'est pourquoi je suis Dieu. Je ne peux pas changer. Je suis toujours le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Je n'ai pas changé. Je ne peux pas compromettre le niveau de ma parole pour aucune de mes créatures. J'ai assez pleuré. J'ai plaidé assez avec l'homme. J'ai montré à l'homme assez d'amour. Si l'homme refuse de me garder dans sa connaissance, je le détruirai. Il a cité le psaume 9:18. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Le sauveur pleureur. Dans le ciel, tout le monde est heureux et joyeux. Mais Jésus, le Seigneur, crie quotidiennement à cause des péchés et de la méchanceté dans le monde et dans l'Église. Jésus a dit: Si le monde entier aujourd'hui décide de ne pas me reconnaître comme sauveur et Seigneur, et de me servir, je vais tourner le monde entier dans l'enfer. Rien ne me touchera plus longtemps, j'ai assez pleuré ici en enfer, il n'y a pas de miséricorde, même toi, mon fils, si tu te détournes de moi et ne marches pas plus dans la justice, la vérité et la sainteté, je te condamnerai au feu de l'enfer. Romains 2, 11. Car devant Dieu il n'y a point d'acception de personne. Alors Jésus m'a touché, et a dit: Viens, allons au ciel, mon fils. Nous avons quitté l'enfer et je suis retourné au ciel. La réaction de Satan à nos visites en enfer. Satan m'avait vu avec Jésus toutes ces trois fois que nous sommes allés en enfer. Quand nous sommes retournés au paradis, Jésus a dit: Écoute ce que le diable est en train de faire maintenant en enfer. Il m'a ouvert les yeux et j'ai vu la réaction de l'enfer après notre départ. Le plan de Satan pour me détruire, moi et ce message. Satan a crié et a fait différents types de bruits. Le Seigneur m'a fait voir comment, en réponse à l'appel de Satan, ses autorités démoniaques sur terre se sont envolées en enfer pour une réunion d'urgence. Elles se sont toutes rassemblées devant Satan en enfer. Satan a dit: Cet homme vertueux a fait venir ce jeune homme tout ce temps en enfer pour qu'il voie l'horreur, l'angoisse et les souffrances de l'enfer que les hommes sur terre ignorent. Nous ne devons pas prendre cela pour une plaisanterie. Cet homme vertueux veut l'envoyer dans le monde pour leur annoncer le caractère indispensable de la sainteté afin qu'ils entrent au paradis. Il y aura alors bientôt un renouveau de sainteté sur la terre. Je me rends compte qu'il y aura bientôt un renouveau du mouvement de sainteté dans le monde. Les hommes découvrent vite que c'est seulement la sainteté qui peut les emmener au paradis. Nous devons poursuivre ce jeune homme et le devancer. Nous devons retirer ce message de sa bouche et, si possible, détruire sa vie. Apocalypse 12, 3, 6. 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. 5. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. 6. La femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Satan a révélé ses plans visant à accabler les âmes des hommes. L'informatique, l'Internet et la télévision. Je suis encore en train d'inventer des choses qui peuvent attirer l'attention des croyants afin de les distraire. Je suis le cerveau derrière l'informatique, l'Internet et la télévision. Aujourd'hui, sur Internet, la pornographie informatique est encouragée. Vous pouvez trouver les photos des hommes et des femmes nus. Quand les hommes pieux regardent ces choses, elles entrent dans leur cœur et polluent leurs âmes et leur sainteté est détruite. Ils deviennent donc impurs et ne sont pas dignes d'entrer au paradis. Je présente également certains programmes à la télévision seulement pour détruire la sainteté dans la vie des gens et les rendre impurs pour qu'ils n'entrent pas au paradis. 1 Pierre 5, 8. Soyez, sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cantique des Cantiques 2, 15.
comprenez, nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes car nos vignes sont en fleurs. Psaume 119, 37, 38. 37, détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. 38, accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Les voitures voyantes et les choses matérielles. Satan a continué. J'invente de nombreuses voitures voyantes et beaucoup de choses matérielles luxuriantes de cette vie, parce que je suis le prince de cette vie. Je fais cela pour attirer l'esprit du croyant vers les choses banales de cette vie de péché. Je vais faire de cette vie une vie très agréable et attrayante de telle sorte qu'aucun croyant ne pourra résister à ma force. Seul le croyant saint et focalisé sur les choses du paradis pourra résister à mes grandes forces. 1 Jean 2, 15-17. 15 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 16 Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 17 Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Marc 4, 18, 19. 18 D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole. 19 Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse. Les femmes séduisantes dans les églises de sainteté. Il a ensuite appelé une princesse. Lorsque cette princesse a apparu, elle ressemblait à une prostituée dans le monde. Il lui dit : Va et prépare les jeunes et les belles dames dans les églises de sainteté afin qu'ils séduisent les ministres de Dieu. Qu'elles emmènent les croyants à haïr leurs épouses et à les convoiter pour leur beauté. Elles doivent les faire tomber dans l'immoralité. J'ai répandu l'esprit d'immoralité dans le monde. Va avec une force telle que nul ne pourra te résister. Sois sage, et comporte-toi comme une chrétienne. Proverbe 5, 3, 9. 3 Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. 4 Mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. 5 Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. 6 Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. 7 Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. 8 Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. 9 De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, et tes années à un homme cruel. Proverbe 6, 23, 28,32. 23 Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. 24 Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. 25 Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. 26 Car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. 27 Quelqu'un mettra il du feu dans son sein, sans que ses vêtements s'enflamment. 28 Quelqu'un marchera il sur des charbons ardents, sans que ses pieds soient brûlés. 32 Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sang, celui qui veut se perdre agit de la sorte. Éteindre le feu de Dieu dans les églises. Il a également appelé un autre prince et lui a dit : Va et veille à éteindre le feu de Dieu dans chaque église pour que nous puissions venir nous installer. Désobéissance, entêtement et rébellion chez les enfants des serviteurs de Dieu. Il a appelé un autre prince et lui a dit : Va et emmène les enfants des serviteurs de Dieu et les enfants des fervents croyants à vivre une vie contraire au ministère de leurs parents. Rends, les têtus vis, à, vie de leurs parents. Qu'ils blessent le cœur et abattent l'esprit de leurs parents. Les parents pourront donc réagir en disant ou en faisant des choses malsaines qui pourront briser la promesse de Dieu sur leur vie. C'est à ce moment que nous nous introduirons pour détruire le ministère de leurs parents. Éphésiens 6, 1, 4. 1 Enfant, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. 2 Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement suivi d'une promesse. 3 Afin que sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.
4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. 1 Timothée 3, 1, 5. 1. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni viol, mais indulgent, pacifique, désintéressé. 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Genèse 18, 19. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. 2 Jean 4. J'ai été fort réjoui de trouver tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. La haine, les querelles et le manque d'amour dans la famille. Il a également appelé un prince et lui a dit: va et crée la haine entre les maris et les femmes. Qu'ils se querellent et se bagarrent quotidiennement. Fais de la famille un champ de bataille. Ôte l'amour de la famille. Éphésiens 5, 22, 33. 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui, même pour elle. 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. 30. Parce que nous sommes membres de son corps. 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 32. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Galates 5, 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. L'insouciance, la paresse et la tiédeur dans la prière. Satan a ordonné que la prière soit enlevée de la famille et de l'Église. Rend les négligents, paresseux et tièdes dans la prière. Que l'Église soit froide et sans prière. Que l'autel de prière familiale soit renversé. Lorsqu'un chrétien ne prie pas, il ne peut pas vivre dans la sanctification. Va avec une force telle que personne ne pourra résister. Luc 18, 1. Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. La fornication parmi les jeunes. Satan a frappé la main sur sa poitrine et a dit: tous les jeunes doivent être placés sous le péché de la fornication. Tous les jeunes doivent être placés sous le joug de l'immoralité. Proverbe 7, 1, 27. 6. J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis. 7. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sang. 8. Il passait dans la rue, près de l'angle, où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. 10. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. 21. Elle le séduisit à force de paroles, et elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. 26. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tout ce qu'elle a tué. 27. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, il descend vers les demeures de la mort. Réduire au silence les prédicateurs de l'évangile grâce péché personnel et récidive. Satan a aussi dit:
J'ai réussi à faire taire de nombreux prédicateurs. Quand ils viennent devant le peuple, ils disent « Nous sommes tous pécheurs. Personne ne peut vivre une vie de sainteté. Je les tiens occupés dans l'Église. Ils sont maintenus en esclavage dans l'Église. Ils sont ignorants de la puissance de libération de cet homme juste. » Les prédicateurs renient la puissance de la sainteté. 2 Timothée 3, 5, 8. 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce.